Bonsoir mes frères et sœurs, bonjour mes frères et sœurs, tout dépendamment que vous attendez, réseau groupe panel, Jésus 100% la vie. Nous remercions nos Seigneurs, nos belles gloires, nous-mêmes celles méritées. Nous disons merci pour grâce qu'il fait nous, nous l'a toujours, de préserver nous, de ne pas quitter et malgré nous. Nous disons merci pour ça, il fait nous là, il bénissait jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous disons mon Dieu merci parce que Dieu fait nous là, nous bâle gloire lui-même, c'est le mérité. Nous saluons le Père, nous saluons le Fils et nous saluons le Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons le berger groupe là, et Pasteur Jimmy Charles, nous saluons maman groupe là, c'est Gina Charles. Et nous saluons l'évangéliste Rigueur Lubin, nous saluons frère Williams Laose, nous saluons frère Griot Ronald Michel, nous saluons l'évangéliste Maslin Joël, nous saluons frère Dossi Désir, nous saluons Virgilis Mikanol Clégé, nous saluons Seth Will, Seth Asie, Seth Florian, nous saluons Frère Figaro, nous saluons Frère Jean-Louis Sekele, nous saluons Pasteur Rico, nous saluons tous les frères et sœurs qui sont sur le réseau ça, pour ne pas oublier, nous saluons tous les auditeurs et auditrices YouTube yo, qui ont habitué à attendre l'étude Pain des Visas qui fait ce groupe-là dès lundi jusqu'à samedi, sans oublier les étudiants, les professeurs IBL, nous connaissons que IBL, c'est une école publique en ligne qui est instituée par Évangéliste Rigueur Lubin. C'est lui-même qui t'a mis venu avec moi ça sous groupe là. Et ouais, j'ai un niveau bête cap tombé sous groupe là. Ça, par étude publique, ça sont l'école, parce que c'est l'école où capable de jouer un niveau bête ça. Et nous saluons présence et Pasteur à toute madame, li, avec tout comité, avec tout combattant, yo, et chaque semaine, qui a parlé la Bible 6 ou 7 sous réseau. Nous disons bon Dieu merci, nous bâillons gloire. Et mes voix sont attendues, ses amis par au frère par où, docteur par où, Marie Caïdor, qui demande à Jodia pour porter ou peindre des visas pour vous. Nous avons 2 semaines en plein là, côté nous parler de cet esprit. Et la troisième personnage de la Trinité et troisième monde qui vient dans la Trinité a sujet à ce Saint-Esprit, eh bien, et thème à ce Saint-Esprit, eh bien, sujet nous porter pour aujourd'hui à ce le Saint-Esprit habite dans le croyant. Sujet a dit le Saint-Esprit habite dans le croyant. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personnage de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est avec Saint-Esprit que Dieu lui-même était créé, ciel avec terre. Et surtout dans la Bible, et dans Genèse 1er. Verset 1er, au commencement était la parole, et Dieu créa les cieux et la terre, excusez-moi, Dieu créa les cieux et la terre informe et vide. Et texte a dit, l'Esprit bon Dieu t'a mouvementé sur la surface des eaux. Automatiquement, Dieu parlait, et cet esprit lui-même, il est rentré en activité. Et cet esprit, c'est puissance bon Dieu lui-même, ok? Jésus-Christ, c'est le représentant de Dieu. Et Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Tout ça que Dieu a fait, il fait à travers l'Esprit-Lui. OK? Tout ça que Dieu a fait, il a fait à travers l'Esprit-Lui. Dieu lui-même, il habitait dans le ciel-là et dans le corps de Jésus-Christ. Parce que Dieu, son esprit qui est lié. Et corps physique, et Jésus, corps physique, Dieu. C'est Jésus-Christ qui habite dans le ciel-là, et puis l'Esprit Jésus-Christ remplit l'univers, les dans le ciel-là, sous terre, les tous côtés en même temps. C'est la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit c'est un personnage. Voilà. L'Esprit bon Dieu, c'est un monde, l'Esprit au monde, c'est un monde, et l'Esprit bon Dieu. Il y a des sentiments, il y a une volonté, il y a une conscience, il y a une émotion et tout ça au même.
ou capable gagner en tant qu'être, mais cet esprit gagne lui-même. Dieu, cet esprit lui-même, il n'est pas un corps, même genre avec l'homme, un corps déchet, un corps physique, il n'est pas un corps, même genre avec les anges, mais il gagne un corps qui est propre à lui-même. Ok? Mais c'est un personnage en esprit. Il est habité dans que nous. C'est ça que nous parlons. Ouais. Premier bagage que bon Dieu fait, chrétien cadeau, c'est Saint-Esprit. C'est l'Esprit. OK? Et l'Esprit, ça, il est habité dans nous, permanent, il est dans nous, éternellement. OK? Pas oublier que le sujet a, et que Saint-Esprit habité dans nous. C'est ça le sujet a, je vous dis. Que nous parlons de côté Saint-Esprit lui-même, il demeure là haut, il était là haut. OK? La Bible fait nous connaître par bouche Jésus-Christ que Saint-Esprit a habité permanent dans nous et il est un consolateur selon Jean 14, verset 16. OK? Permettez-moi de lire pour vous Jean 14, le verset 16. Et moi, j'ai prié le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est signalé un autre consolateur, ça veut dire que puisque Jésus c'est Dieu, mais cet esprit c'est Dieu, tout un autre consolateur. Un autre consolateur, c'est que Jésus-Christ est consoler messieurs et puis cet esprit a venu consoler messieurs tout afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit Jésus-Christ t'es que t'as promet messieurs yo pour recevoir consolateur consolateur qui c'est Saint-Esprit. Il était descendu le jour de la Pentecôte sous 120 disciples. OK, dans Actes 2 apôtres 2 il montre que côté Saint-Esprit lui-même était descendu. Il était descendu sous tout et chrétien, tout croyant, yo. Même moment, dans la chambre route là, 120 disciples, tu recevoir cet esprit, ma qui texte a dit, consolateur à lui-même, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça qui est c'est demeurer éternellement. Demeurer, yon bagay qui était dans vous. Éternellement, yon bagay ki la pou toujou. Ça veut dire que nous recevoir cet esprit a permanent. Et cet esprit va quitter nous. Qui est-ce qui a recevoir cet esprit? C'est croyant yo. Et si nous continuons dans le même verset, il dit que le monde lui-même, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Qui est-ce qui est le monde? Le monde, c'est tout le monde. Le monde, dans le contexte, le texte a parlé de le monde là, mais ici, le monde fait référence avec le monde qui n'est pas converti. Il dit c'est le monde qui n'est pas converti, qui n'est pas capable de recevoir l'esprit ça. Il n'est pas connu. Qui est la raison qui fait les gens du monde ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas converti. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais puisqu'ils n'ont pas accepté Jésus, ils n'ont pas capable de recevoir don ça qui c'est Saint-Esprit. Nous-mêmes, tous chrétiens, de pour accepter Jésus-Christ, ou recevoir l'Esprit ça, l'Esprit qui t'a levé Jésus dans ton bois, l'Esprit qui t'est là avant, l'Esprit qui t'est sous Moïse là, l'Esprit qui t'est sous Jésus là, l'Esprit qui descend le jour de la Pentecôte là, et mais c'est esprit ça qui est dans moi et qui l'enroule, qui l'enroule le monde pas qu'à recevoir parce que le monde pas accepté Jésus-Christ. Mais tout chrétien yo recevoir l'esprit bon Dieu. Le Saint-Esprit c'est un don. Comme on t'y ouais, la semaine passée, ah, les sujets à traiter sous groupe là qui c'est don. Nous avons fait une étude qui était intitulée Don du Saint-Esprit à la place de l'évangéliste Joël Masselin, qui était un problème.
Ok. Cette expression don lié, on don son bagage que ou pas mérité son cadeau. Mais, une seule façon pour recevoir don ça, j'en so dit à l'air, non, voix précédente, c'est croyance ou non Jésus-Christ qui permet tout. C'est croyance ou en Jésus-Christ et qui permet tout recevoir don. An. Ou pas capable de recevoir comme ça. Ok? Une seule façon, moyen pour recevoir don ça, c'est Jésus-Christ pour accepter. Seule condition, c'est la foi en Jésus-Christ. Ok? Dieu fait nous cadeau. Dans l'idée de texte avant, nous allons montrer que Dieu fait nous cadeau cet esprit-là. Premier texte, 1 Thessaloniciens 4, le verset 8. Il dit, c'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Attendez bien, oui. Qui vous a donné son esprit. Dieu ben nous esprit lui. OK? Dieu ben nous esprit ça. Dit ben nous. Deuxième texte, 1 Jean 4, verset 13. Il dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a en ce qu'il nous a donné de son esprit. Dieu bail tout croyant yo Saint-Esprit a. OK? Dieu bail tout croyant yo Saint-Esprit. Cadeau ça Dieu baoule avec tout chrétien yo, tout monde qui accepte Jésus-Christ, même monde qui pas accepte Jésus-Christ, pas capable recevoir don ça. OK. Qui l'est ou recevoir don la grande question. Don Saint-Esprit, hein? Saint-Esprit a qui l'a recevoir. Grand pile monde qui fait comprendre ça après bonne marche ou après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, ou recevoir cet esprit a. Eh bien, la Bible fait nous comprendre, Saint-Esprit a nous pas recevoir après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, mais la Bible fait nous connaît que nous recevoir cet esprit a au moment d'accepter Jésus-Christ. Au moment de notre conversion, nous recevoir Saint-Esprit a. Selon Éphésiens 1er, verset 13. Il dit nous, en lui, vous aussi, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis en Jésus-Christ. OK? Après avoir entendu la parole de la vérité, évangéliste là, li al prêché ou tendez parole là, l'évangile qui pour sauver ou là, et cet esprit convainc cœur, en lui vous avez cru. Fin par la avec ou, et ou tendez cet esprit convainc cœur, et vous croyez en lui. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Automatiquement, qui croyez, et bien cet esprit lui-même, l'est scellé au moment que vous acceptez Jésus-Christ. Deuxième texte, Actes 2 apôtres 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est l'apôtre Paul qui t'a parlé avec monsieur. Yo. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. OK? Moun sa yo te prend baptême Jean. OK? Yo te prend baptême Jean, baptême de repentance. OK? Mais si apôtre Paul, qui t'a parcouru dans la prédication, il t'a croisé avec plusieurs 12 serviteurs, remarquez, il dit comme ça que
Il parle avec Nego, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? L'autre croit, est-ce que vous avez recevoir cet esprit? Ça veut dire, moment où recevoir cet esprit, c'est le moment où vous croyez en Jésus-Christ. Son bagage qui fait automatiquement. Ok? C'est Saint-Esprit, le même premier bagage, et cet esprit a fait dans vous-même, l'Elvini, il régénère vous. Ok? Il n'est pas régénéré physiquement, mais il n'a pas fait un travail extérieur pour vous, mais il fait un travail à l'intérieur. Avait dit, on a l'homme non, qu'on l'homme intérieur qui c'est esprit ou, qu'on l'homme extérieur qui c'est corps physique ou. Mais il régénère l'homme intérieur qui c'est l'esprit ou. L'esprit ou qui t'est mouru de la chose de Dieu, selon Éphésiens du verset 1er. Ok? Dans Péchoyou. Mais Jésus-Christ, vous venez accepter Jésus, mais cet esprit-là, même c'est régénérateur à lui-même. Il régénère l'esprit qui est mort spirituellement. Il bat l'esprit à vie. Et ça, l'apôtre Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok? Prédicateur, il a tendance à prêcher et souvenir en Christ là, faut quitter péché, faut ceci, faut cela. D'accord? Mais ça, c'est deuxième point dans le texte qu'on va le prêcher. Mon premier point qu'on va le prêcher dans le texte là, c'est l'esprit a quitté moi spirituellement et il prend vie spirituellement. On a peut-être des prédicateurs, ok? Là, on vient dans le texte là, c'est pas courir à dire, oh, il faut quitter péché, sinon, quitter péché en deuxième position. Mais premier bagage qu'on va dire, c'est l'esprit a quitté moi spirituellement dans les choses de Dieu, et bien Dieu fait le revivre encore. On vient l'autre. Création. Vignon l'autre création qui ça? Ou vignon l'autre création? Ce n'est pas parce que je t'écoute, je viens où? Non. Selon l'esprit, l'esprit qui t'est mort, il vient recréer selon la justice de Dieu. Eh bien, automatiquement, que Saint-Esprit lui-même, il recrée l'esprit qui t'est mort, hein? Il recrée selon la justice de Dieu, dans le livre Éphésiens. Eh bien, cet esprit-là, il tout communiquer la vie éternelle dans l'esprit-là. Et cet esprit lui-même, il tout habiter dans l'esprit où? Est-ce que là? Ok? Et l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps physique. Est-ce que vous voyez? L'homme, c'est esprit, l'homme, n'a est. Vrai ou même, c'est esprit-là. Ok? Dieu. En esprit, mais il habite dans un corps physique qui relève Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Et ça fait juste que je te dis, de pour où est papa? Parce que le livre Colossiens 2, verset 9 l'a dit, Jésus-Christ, Dieu habitait totalement dans Jésus-Christ. Toute puissance divine, toute puissance Dieu, toute magnificence Dieu, toute essence Dieu, il habitait dans Jésus-Christ. Ok? Ok? Dieu a un corps physique qui c'est Jésus-Christ. L'homme a un corps physique, l'homme a un corps, côté nous habite là dans l'esprit a habité dans le corps physique. Il est emprisonné dans le corps physique. C'est l'esprit ça qui sauve. Ok? C'est l'esprit ça que Dieu bat la vie. Loi, lit Romains 10, verset 9. On croit pour tout le monde dit. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché. Mais son esprit est vie à cause de la justice de Dieu. Ok? Quand nous mourons, texte ça vient faire comprendre que, yon moun qui a servi Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Romains 8, verset 9. Ok? Si quelqu'un n'a pas de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas. Si l'Esprit bon Dieu parle en haut ou pas pour bon Dieu, est-ce que là? Mais puisque. L'Esprit bon Dieu dans nous, il dit quoi, il mourit en rapport avec péché. C'est la Bible qui dit. Mais si que quoi, la Bible a dit quoi, moi, par rapport avec péché, ou même, ou besoin de défier sa Bible a dit, ou continuer à vivre dans le péché, et bien, même chapitre là dit, Romains 8, verset 13, et bien, c'est si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez mourir. Physiquement. Mais pas qu'à spirituellement. Parce que Dieu est. Ou qui passé de la mort à la vie. Donc, dans Jean 5, verset 24, ou passé de la mort à la vie, c'est pas spirituellement. Oui, qui tendance, nous prenons contexte. Apôtre Paul dit dans Romains 6,
verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Dans le contexte, ça, il t'a parlé de péché. Adam te fait, c'est la mort, bah nous. Il faut comprendre c'est la mort spirituelle. Il faut comprendre chaque chrétien péché, il mourit spirituellement. La seule façon pour le chrétien de mourir spirituellement, il faut que le Saint-Esprit t'a quitté. Mais, heureusement pour nous, la Bible dit qu'on sait que son esprit qui demeure éternellement avec nous, ne peut jamais quitter nous. Elle dit, son seule façon pour nous d'avoir dit Saint-Esprit, c'est faut qu'il t'a quitté nous. Et quel que soit péché nous t'a fait, cet esprit ne peut jamais quitter nous parce que le texte a dit éternellement avec nous. Est-ce que là? Eh bien, c'est l'esprit qui est créé et c'est l'esprit lui-même qui a la vie, qui possède la vie dans lui-même. Il habite dans nous. Vrai, moi-même, non, c'est l'esprit, vrai ou même c'est l'esprit, et mais c'est l'esprit qui a la vie éternelle, qui a là-dedans. Mais le corps physique, non, lui-même, il peut gain la vie éternelle pour ce corps physique là lui-même li poko régénérer mais l'esprit nous lui-même li régénérer ça veut dire recevoir le Saint-Esprit au moment de notre conversion et recevoir cet esprit c'est recevoir salut à tout ou pas gain l'esprit bon Dieu ou pas sauvé j'aime ce dit à l'air OK yon moun qui gain Saint-Esprit habité dans lui, li son monde qui sauvé. OK, j'en te dit dans Romains 8 verset 9 taléa. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et vous pas gain l'esprit Christ là en vous ou pas pour Christ. Qui est-ce que l'esprit Christ là? C'est Saint-Esprit de Dieu qui descend le jour de la Pentecôte là. C'est lui-même qui l'esprit Christ là lui-même. Est-ce que là plus esprit de Dieu lui-même, ça qui est dans l'Ancien Testament. De pour pas gagner, eh bien, ou pas pour lui. Il dit, le monde, pas pour Christ, parce que Christ pas habité dans le monde. Ok? C'est le monde qui gagne Jésus-Christ, c'est le monde qui gagne salut. Depuis que Saint-Esprit habité dans le cœur, eh bien, aussi un monde qui est sauvé. Et 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, chapitre 14, qui ça dit? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal représente les incroyants, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un homme animal, ok? C'est un monde qui n'a pas accepté Jésus. Moun sa pa recevoir l'esprit bon Dieu. Moun sa mouri nan péché. Et bien moun sa li même li pas sauvé. L'autre l'aime pote qu'on converti, yo te toujours dit, de tout moun kap tande ap di et moun ka l'église la chaque ou l'église a wale, ou pas sauvé, même qui pas jamais l'église un jour me sauvé. Ou te pense vérité. Mais kou nan Bible an moun appelé. Ou vinn essayer ki bêtise rado tek t'a parlé. N'a veut dit pour moun sauvé c'est Jésus-Christ pour gagner l'esprit Christ là où eh bien aussi un monde qui sauvé aussi un monde qui gagne salut là quel que soit croyant et qui gagne l'esprit bon Dieu dans lui les sauver quel que soit monde quel que soit monde monde toujours gagne tendance à dire oh oui et c'est travail moins c'est bonne marche moins qui va le permettre moins sauver. C'est vrai, oui, le salut est gratuit, mais c'est là, pas de mêlant bagay yo. Texte pas dit, mais, ok, salut est gratuit, ok, ou recevoir ou convertir, c'est automatiquement accepter Jésus-Christ, c'est automatiquement ou recevoir et cet esprit ou recevoir salut. So gen 10 ans de pour convertir, et mon gen 10 ans de pour sauver. So gen yon jour de pour convertir ou gen yon jour de pour sauver, ok. Oublier c'est Saint-Esprit qui régénère l'esprit a c'est vrai ou même non c'est esprit a l'homme c'est un esprit OK et quelle que soit condition spirituelle croyant moi te dis ça souvent dernièrement l'aime t'a parlé dans don
li recevoir cet esprit, quelle que soit la condition spirituelle li, quitte li ta vivre le péché, quitte li pas ta vivre le péché, quitte li son homme charnel, quitte li son homme spirituel, li recevoir l'esprit de seul homme animal la pas recevoir, parce que homme animal la c'est moun ki pas converti. Ok? Mais quelle que soit la condition spirituelle nèg la, fia, li recevoir cet esprit ya. Parce que apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, le Saint-Esprit habitait en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il t'a parlé avec peuple corinthien. Si on peut qui était très charnel dans ce testament, je souvent dit ça à ce groupe-là. Mais il recevoir l'Esprit Saint. Il recevoir l'Esprit bon Dieu. L'Esprit bon Dieu habitait dans vous. Ou après, dans chapitre 1 verset 7 là, l'Éternel dit, et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Yo pas manque aucun don. Yo kèn tout don yo. On prend Jésus a pas fermé yo jusqu'à ce qu'il retourne. OK? Quelle que soit la condition spirituelle croyant, depuis accepter Jésus-Christ, ils sont monde qui sauvé, quelle que soit la condition. Quand on va dire au docteur, soit dit là, docteur, bon, on monde qui a vu l'empêcher et on a sauvé. Attendez, ça me va être très clair. Pour nous finir, cet esprit a régénéré l'esprit automatiquement accepter Jésus. C'est parce qu'on fait une bonne conversion qui fait régénérer l'esprit. C'est parce qu'on convertit tout bon vrai. Dans la période où on convertit tout bon vrai, on est séparé. On est par Jésus-Christ cœur. Par Dieu, c'est dans quel garde. Il est dans le cœur. Il est dans le cœur. Il est vague. C'est là, amis, que vous avez quitté. Vous retournez après 3, 4 ans, 5 ans. Vous venez à vivre dans la même actualité où vous avez fait avant. Yo. Ou te geta kite yo deja. C'est parce que te geta kite ou te fait une bonne conversion qui fait l'esprit te régénérer. Et bien, automatiquement, Jésus-Christ te tout et communique ou la vie là on fois pour tout. Qu'on a retourné à vivre dans le péché encore. Non, esprit a te geta sauvé. Est-ce qu'on l'a? Si qu'on pas converti tout bon vrai. Ou pas renoncer de tout bon vrai. Ou pas t'apprécier voir esprit a. Si qu'on pas converti tout bon vrai. Ou pas te séparer de tout bon vrai. Ou pas te faire un changement de ou. Ou pas te dépouiller. Ou pas t'apprécier voir esprit. Ok? C'est parce que tu es converti tout bon vrai. Ou dépouiller. Et bien, Dieu et cœur, de communiquer la vie. Après ça, ou retourner ou pas vli. Li bibou ou pas vli appliquer commandement yo. Ou retourner non sorte faire. De ou pas vli obéir avec commandement ou loi Christ yo. Ou ap tourner dans le monde encore. OK? À tout ou sauver, ou pas retourner pour pratiquer les œuvres de la chair, oui. C'est comment bon pour obéir, pour pas retourner dans le monde là encore, pour appliquer les œuvres de la chair, oui. De pour pas obéir, ou pas retourner encore, oui. Parce que apôtre Paul dit yo opposé. Esprit bon Dieu oppose avec quoi? Pas oublier c'est esprit qui régénère, c'est pas corps physique là, ou toujours capable de pécher. De pour sous terre ça. OK? Ça veut dire que le moment où il reçoit cet esprit, il est sauvé. Il vit maintenant une vie qui est déréglée. Il a commencé bien avec Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, nous commençons bien, comment vous voulez pour nous finir mal. Mais nous commençons bien, vous voulez finir mal. Dieu a pris sur vous sous terre. Il est sauvé, il est placé dans le royaume. À cause de la conversion, ça a fait là. On va prendre pile de dans l'église, il y a une Bible, mais qui a vécu mal. Il a été converti, il a été fait bon changement. Il a commencé à marcher bien avec Jésus-Christ. Après ça, vous venez retourner dans vivre bagarre vous qui salue dans le monde là. On a la soif peste là-dedans. L'esprit bon Dieu vient régénérer ou sauver spirituellement. Vrai ou même dans être sauvé, c'est quoi pour recevoir salut là. Dès que pour délivrer jour enlèvement de l'église là, ou choisir à vivre dans le péché, et puis pas qu'une autre bagarre qui a préservé pour la prison sous terre. Pour que ça la prison sous terre parce que tu es dans le monde où tu es en sauvé, c'est esprit à sauver. En fait, de vous sauver, net, pas de bagage pour perdre ça à lui. Ok, tout ça, mon Dieu, il est net.
Bon, je dis à c'était étude là, nous t'ai porté pour vous, qui était relié le Saint-Esprit habite dans le croyant. Nous t'ai vu que Saint-Esprit a habité dans nous, il a éternellement, il n'a pas besoin de quitter nous, selon Jean 14, verset 16, du Corinthiens 1, verset 22, Éphésiens 4, verset 30. Il s'est là jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église a fait, jusqu'à ce que Koa libéré totalement et cet esprit qui t'a pas gagné ou t'es fait pour te bon don et pas gagné ou a fait tout pour perdre don Saint-Esprit. Ok? Et nous te voyons que cet esprit te recevoir au moment où converti. En Thessaloniciens 4, verset 8, et Jean 4, verset 13. Et nous te voyons que il te bon don et nous te voyons que recevoir salut a automatiquement accepté Jésus-Christ. Automatiquement ou converti ou recevoir salut. C'est pas après 2 jours, après 3 jours, après 4 jours, avant le processus ou à recevoir le Saint-Esprit qui sauve, mais automatiquement accepter Jésus-Christ et non recevoir le Saint-Esprit qui sauve là lui-même. Et nous devons tout, de pour pas gagner l'Esprit bon Dieu ou pas sauver. Au milieu du verset 9, on monde qui pas gagner l'Esprit bon Dieu, il n'est pas mon bon Dieu, il n'est pas sauvé tout. Ok, il y a un monde qui gagne l'Esprit bon Dieu, c'est un monde qui sauve. Et moun ki recevoir l'Esprit bon Dieu, c'est seul moun ki accepte Jésus-Christ. De ou pas accepter Jésus-Christ ou pas gen l'Esprit bon Dieu dans ou. Et nous te quelle que soit condition spirituelle chrétienne, et les son moun et qui gagne l'Esprit bon Dieu dans lui et l'Esprit lui les sauver. Vous avez voté pour l'état vivant dans le péché, gonèg mwen écoute chapitre 5, ni pour madame papal, a voté pour le dit que cet homme soit livré à Satan. Pour la détection du corps physique. Ok? Ça veut dire que ça a pour dire que l'esprit a sauvé. Ça veut dire que l'esprit a sauvé. 1 Corinthiens 5, 5. Quoi? La paix dit quoi? Mais l'esprit a les sauvé. Ça fait ça. Parce qu'elle était sauvée au moment où elle était acceptée. Jésus-Christ, pas d'esprit, pas de salut. Ou pas gain l'esprit bon Dieu, ou pas sauvé. Ou gain l'esprit bon Dieu, ou sauvé. Bonsoir, bonjour, tout fidèle serviteur. Captain de nous, que bon Dieu, fort passion. Un bon après-midi, que Dieu vous bénisse abondamment.